Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film La Haine, réalisé par Mathieu Kassovitz en 1995, avec comme acteurs principaux Vincent Cassel, Saïd Tagmaoui ou encore Hubert Koundé. Alors ce film s'inspire de l'affaire Makome Mbowale et raconte l'histoire de trois jeunes de cité dans laquelle il y a eu un grave incident puisqu'un jeune a été grièvement blessé par un policier. Le film a été présenté au Festival de Cannes en 1995 et a reçu le prix de la mise en scène. Alors moi personnellement, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que Mathieu Kassovitz a fait des choix de mise en scène très intéressants, notamment le fait de mettre le film en noir et blanc. Le réalisateur s'est limité à 4 prises par scène. Et ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans les Yvelines, le film a été tourné pour la plupart à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Paris varoşlarında sıradan bir gün. Bir yabancı polisin saldırısına uğradı. Arkadaşları intikam almaya kararlı. Nefret giderek büyüyor. Il y a une scène qui a été rajoutée dans le film, c'est la scène du vernissage vers la fin du film. Parce que Mathieu Kassovitz voulait que les jeunes de banlieue soient un peu moins sympathiques, donc il a créé cette scène. Il voulait à tout prix aussi, dans une interview je l'ai entendu, il voulait pas qu'il y ait de scène d'amour dans ce film, pour se rapprocher un peu plus de ce qui se passe dans les banlieues. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film, c'est très intéressant et puis c'est toujours d'actualité.